Bonjour Alexandre, donc on est ici pour parler de ton livre L'Amérique latine au 19e siècle et au 21e siècle avec les presses universitaires de Bordeaux qui publient cet ouvrage. Et donc c'est une histoire globale, une histoire à orientation économique, mais pas seulement. Il y a une part de culturel, de géographique, bien sûr, et aussi de politique. Alors c'est un ouvrage très dense, beaucoup de questions sans doute se posent, et je commencerai quand même par l'arrière-plan historique, hein, donc un pays, un continent, un sous-continent qui a été colonisé, qui a connu une large période de semi-coloniale, pour employer le terme que Lénine employait dans l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, en 1916. Et tu rappelles le poids de l'Empire britannique, qui est souvent méconnu. On parle souvent de l'emprise des États-Unis sur ce sous-continent, mais il faut rappeler que l'Europe a été très présente. Je te remercie, Jean-Jacques. Je suis très heureux de présenter ce livre qui a été conçu, effectivement, je reviens brièvement sur sa conception, à la fois comme un manuel, puisqu'il est dans une collection parcours universitaire, mais également comme une réflexion pour un grand public, donc parfois ce caractère un peu dense que tu évoquais, sur presque deux siècles d'histoire, sur plus de 20 États. Donc c'est effectivement ce qui marque la confection de l'ouvrage. L'approche, effectivement, est une approche d'histoire globale, on peut effectivement s'inscrire dans ce sens. Et dans cette histoire globale, les rapports de domination, alors des rapports de domination complexes et qui sont dans un sens et qui ne sont pas unilatéraux, sont marqués par la très grande présence des Britanniques. Tu viens d'évoquer évidemment la semi-colonie latino-américaine. L'Amérique latine, les États latino-américains, particulièrement ceux du Rio de la Plata, du cône sud, étaient et sont toujours considérés comme des sortes de fleurons de ce que l'on appelait l'empire informel des Britanniques, c'est-à-dire au-delà des colonies sur lesquelles les Britanniques avaient installé des drapeaux, des garnisons et des administrations, c'est-à-dire ces vastes régions du monde dans lesquelles ils exerçaient une domination qui était de nature et essentiellement économique. Et l'Amérique latine était un des fleurons de cet empire informel. Elle leur fournissait des matières premières, elle leur fournissait des marchés pour les produits manufacturés britanniques, et elle leur fournissait aussi des terrains, surtout hein, un terrain d'investissement des capitaux britanniques. Avant la guerre de 14, les Britanniques investissent plus en Amérique latine qu'ils n'investissent partout ailleurs dans le monde, en Europe exceptée bien entendu. Alors, il y a une gageure dans cet ouvrage, hein, c'est de faire le point sur des réalités très différentes. Hein. Vu d'Europe, souvent, on parle d'une Amérique latine qui serait une, et tu dis très bien qu'il y a beaucoup de différences, de divergences. Mais bon, peut-être qu'on peut orienter le débat aussi sur les convergences, il y en a. Le caudillisme, par exemple, une terre qui a donné naissance à une expression ô combien célèbre, le populisme, et d'autres expressions comme ça. Alors, quelle est la part, justement, des convergences que l'on peut pointer?
Les convergences, elles se situent à plusieurs, il y a plusieurs étages. Alors il y a des convergences, certains types de convergences dans les structures, c'est-à-dire dans l'héritage colonial que les États hein, partagent, d'avoir été des colonies. Des puissances ibériques, donc Espagne pour pour 19 d'entre eux et Portugal pour le 20e. Ça a donné effectivement une certaine unité, notamment l'unité de langue, en tout cas de la langue parlée au départ parlée par les élites et parlée quand même par une majorité de la population aujourd'hui, y compris les immigrants. Très très nombreux de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle qui ont assimilé l'espagnol, en Argentine par exemple, c'est évidemment sans doute le principal trait de convergence. Leur latinité, dont on pourrait effectivement discuter longtemps, mais ça nous a discuté de cette latinité. La deuxième signe de convergence, là qui est un peu moins largement partagé, c'est effectivement le rapport aux puissances européenne dominante, on vient de l'évoquer, avec la Grande-Bretagne et au XXe siècle, alors c'est pas une puissance européenne, mais puissance dominante et ô combien dominante, qui sont les États-Unis, dont les rapports qui sont. Donc il y a une sorte de destin partagé, et dans les structures, et dans l'histoire, ce qui crée régulièrement. Des aspirations à l'unité, soit à l'unité politique, à l'unité bolivarienne, bon, plus personne n'y croit réellement, mais en tout cas d'une unité d'action, d'une convergence d'action autour de l'américanisme, de libéro-américanisme, puisque c'est plutôt ce qui est employé, ou parfois, comme dans le cas de l'Ayatollah Khatami, de l'indo-américanisme, mais sa tentative d'imposer la formule n'a pas véritablement pris. Il y a des pratiques politiques, effectivement, tu évoquais le caudillisme et tu évoquais le populisme, qui peuvent effectivement caractériser l'Amérique latine. La caractériser, c'est-à-dire la distinguer d'autres zones, hein, effectivement. Malgré tout, et j'essaie de le dire, j'espère avoir été compris, il s'agit, que ce soit le caudillisme au XIXe siècle ou le populisme du XXe siècle, avec toutes les guillemets, mais si tu veux, on y reviendra après. C'est pas lié à une essence latino-américaine, hein. C'est lié au jeu combiné, complexe, hein, entre l'héritage des structures et le jeu des acteurs, des différents acteurs dans les différents États à certains moments, puisqu'il y a, il y a des États où, par exemple, le caudillisme a été relativement peu, semblait être prendre que de manière modérée. Et puis, une génération ou deux générations plus tard, on voit arriver un caudillo de manière un peu étonnante, alors que l'État d'à côté, qui semblait en fonce, qui semblait donc destiné à être sous une domination d'hommes forts, d'hommes providentiels, tout d'un coup essaye de réinventer des types de représentativité politique plus ouverts. Donc c'est véritablement l'histoire de chaque État qui compte. Alors, parmi les structures fortes et parfois communes, pas exactement, mais il y a le jeu des classes sociales. Et alors, on pourrait parler des classes moyennes, par exemple, dans le jeu. La bourgeoisie locale, nationale, qu'on appelle souvent dans le langage politique sud-américain les oligarchies, et ces oligarchies basées sur une économie d'exportation ont souvent joué un rôle un peu cosmopolite et peu enclin à un développement national réel. Donc, cette combinaison classe moyenne, oligarchie, est-ce que tu peux en dire un mot? C'est sans doute à un certain niveau d'analyse le trait le plus
distinctif de l'Amérique latine par rapport, par exemple, à l'Europe, pour prendre un continent qui nous est familier. L'héritage structurel du 19e siècle, enfin au 19e siècle, l'héritage de longue durée, la combinaison de cet héritage avec les possibilités de développement, le terme n'existe pas au 19e siècle, mais de relative prospérité économique telle qu'elle se donne à cette époque-là, c'est-à-dire une insertion du continent, de certains territoires en tout cas, dans l'économie monde britannique, effectivement, offre des opportunités aux oligarchies, quelles qu'elles soient, aux oligarchies évidemment commerçantes, type bourgeois, hein, ça semble évident, mais aussi aux oligarchies latifundières qui, pour une bonne partie hein, évidemment, se spécialisent leur production pour l'exportation. Donc ces oligarchies sont directement en prise avec la mondialisation dès le 19e siècle, beaucoup plus que les classes possédantes européennes, sauf évidemment les Britanniques pour des raisons évidentes, et les Français également, parce que ce sont, comme vous le savez, de grands exportateurs de capitaux, mais les autres classes possédantes sont plus nationales, avec une politique qui est plus nationale. En Amérique latine, leur liaison très nette avec la mondialisation implique d'une certaine façon que leur nationalisme est véritablement superficiel, véritablement plus d'intention que de réelles préoccupations. Il n'y a pas en Amérique latine ce qui s'est passé en gros, ou, sauf exception, un peu en Uruguay par exemple, mais sinon, cette grande histoire de l'Europe du début du XXe siècle qui est effectivement de nationaliser au sens construire une nation, hein, une nation avec toutes les classes sociales, ça se fait pas. Et les classes moyennes sont radicalement, soit il n'y en a pas, comme en Amérique centrale, soit dans les pays où il y en a, comme en Colombie, et il suffit d'y aller en Colombie une quinzaine de jours, tu le sais, pour le voir immédiatement dans la rue, la rupture entre les classes moyennes et, pour le dire rapidement, les classes populaires, et c'est un gouffre, c'est un vrai gouffre, beaucoup plus qu'en Europe. Alors oui, tu soulignes hein, cette mondialisation, et il y a une économie monde. Alors tu parles de division du travail, division de l'économie qui commence au 19e siècle. Au 20e siècle, il y a eu cet aspect aussi particulier de laboratoire d'un certain libéralisme dans plusieurs pays. Et la stratégie du choc qu'évoque Naomi Klein, par exemple, a été expérimentée au Chili, en Argentine, de manière particulière. Donc là encore, on voit cette dépendance hein, de l'Amérique latine face à cette économie monde. Oui, l'histoire, globalement, il y a trois temps. Hein, il y a le temps de l'Amérique latine, où les États latino-américains sont pleinement insérés dans la mondialisation du 19e siècle. C'est comme ça qu'on désigne maintenant cette époque. Hein. Il y a les décennies centrales où, dans un certain nombre d'États, pas dans tous, pas dans les petits, hein, pas en Amérique centrale, pour des raisons évidentes de non-autonomie politique et pour des raisons évidentes également de marché, mais pas également... Il y a un pays riche qui, où la politique nationale populaire, évidemment, ne peut pas se développer, c'est l'Uruguay, pour une question de marché. Les autres États, le Mexique d'abord, l'Argentine ou le Chili, dans les décennies centrales, globalement, essaie d'adopter des politiques dites globalement d'industrialisation par substitution des importations, c'est-à-dire avec des développements auto-centrés. Cette époque donne d'assez bons résultats sociaux, des résultats, toutes choses égales par ailleurs, évidemment, des résultats économiques qui peuvent être discutés, on ne va pas entrer dans le détail, mais qui, à mon sens, sont loin d'être déshonorants.
présente effectivement un certain nombre des signes hein, d'essoufflement au début des années 70, mais globalement a donné des résultats. Ce qui se passe aux années 70, c'est que, s'appuyant sur ces signes et sur certains types de conséquences sociales de cette époque-là, c'est-à-dire un développement de certaines classes moyennes, un peu sur le modèle européen, c'est-à-dire articulé aux classes populaires, on a des réactions politiques très fortes, vous les connaissez tous, l'Uruguay, le Chili, l'Argentine, c'est-à-dire dans les trois pays les plus riches, Le Brésil aussi. Oui, le Brésil, ça c'était en 64, et évidemment, également un pays riche, enfin, d'une certaine façon, et déjà au Brésil en 64, et surtout, là, avec une étonnante contemporanéité, quasi-contemporanéité, hein, Uruguay, Chili, pratiquement dans la foulée, quelques mois après, et quelques années après, l'Argentine, où, effectivement, des dictatures militaires imposent, font imposer un retournement complet, tentent de le faire dans le cas de l'Argentine et de l'Uruguay, et réussissent à le faire dans le cas du Chili, retournement complet de politique économique, c'est-à-dire de revenir à des politiques économiques, alors fondées principalement sur le développement des exportations et sur l'attirance de capitaux étrangers, avec un démantèlement à l'intérieur, démantèlement de tout ce qui peut être démantelé, et très rapidement dans le cas du Chili, du système social qui avait été mis en place dans beaucoup de pays latino-américains, et dans ceux que je viens d'évoquer en particulier, au cours des décennies précédentes. Il y a un retournement, c'est un retournement alors politique évidemment, économique et également de politique sociale. Oui, alors, c'est un laboratoire pour ce qui va tenter de se faire moins brutalement dans les années 80, à partir de la deuxième moitié des années 80, ailleurs, au Mexique, ou autre, mais sous une forme beaucoup plus atténuée, évidemment, et sans la dictature militaire, donc, au Mexique. En Argentine, notamment, réaction à un péronisme justicialiste, social, oui. Et donc ce fait maudit de la bourgeoisie argentine a été très combattu par ces dictatures militaires, à plusieurs reprises d'ailleurs, je le rappelle, c'est pas simplement la dernière dictature militaire. 66 déjà, enfin, c'est 55, 66. Ouais. Un aspect un peu particulier sans doute, mais qui est souvent évoqué de ce côté-ci de l'Atlantique, le narcotrafic. Le narcotrafic, une matière première, en quelque sorte, exportée pour une grande partie. Quel poids sur l'économie, quel poids réel, en dehors de cette économie clandestine? Naturellement, il y a des auteurs comme Garcia Marquez, par exemple, qui ont mis l'accent sur le fait très déstabilisant pour les pays d'Amérique latine de ce narcotrafic qui alimente l'économie, il ne faut pas le nier, mais qui en même temps a des implications politiques, culturelles très fortes. Alors, par définition, on ne peut pas mesurer la. Avec précision le poids du secteur dans l'économie, puisque l'essentiel de la commercialisation de la matière première en question se fait hors des circuits légaux et hors des circuits douaniers officiels, en tout cas. Il est incontestable que ça joue un rôle très important, en tout cas dans certains pays, les pays producteurs, en Bolivie, au Pérou, d'une certaine manière, et en Colombie également, que ça joue un rôle également, ça commence à jouer un rôle très important dans le principal pays commercialisé, enfin, pays, en tout cas certains États, hein, du nord du Mexique, c'est effectivement quelque chose qui pèse sur le Sinaloa et les États du nord. Dans la société, ça ne peut que ça bouleverse les sociétés
national. C'est vraiment au niveau local, bien entendu, mais au niveau national, au niveau de chaque État. Il est évident que, vu les sommes dont il s'agit, il y a eu en certains États, en Colombie en particulier, mais pas seulement, création d'une sorte de groupe lié au narcotrafic. D'abord parce que d'une part dans les classes populaires pour les exécutants, mais également avec les classes possédantes et les élites, puisqu'un certain nombre, c'est de notoriété publique, un certain nombre ont des relations avec les narcotrafiquants. Et puis la création d'une alors, c'est pas une classe sociale, mais d'un groupe social particulier qui sont les élites nées du narcotrafic, puisque effectivement maintenant c'est sur deux générations et demie leurs enfants réussissent à s'insérer doucement selon le niveau d'absorption des sociétés considérées, mais s'insèrent effectivement dans les élites normal des pays considérés. Et je parle là des grands pays, enfin des pays qui sont grands. La question du narcotrafic dans des États comme le Salvador, par exemple, c'est encore autre chose, puisque là, c'est de l'existence même de l'État qu'il s'agit, quoi. C'est la persistance même d'un appareil d'État qu'il s'agit. Autre chose, dans le cas de la Colombie en particulier, ça a une répercussion politique très directe, hein, puisque effectivement, ces narcotrafiquants ont des armées, hein, de véritables armées, qui ne sont pas neutres politiquement, tant s'en faut. Et on vient le voir encore ces dernières semaines. Alors, une dernière question, peut-être, pour terminer. Tu évoques dans la bibliographie un ouvrage célébrissime qui a été beaucoup lu, celui d'Eduardo Galeano, qui, Les veines ouvertes de l'Amérique latine, qui était une synthèse aussi. Alors, une synthèse non pas savante, plus romantique ou subjective, mais qui a été mobilisatrice pour nombre d'intellectuels sud-américains et au-delà, dans leur vision de cette zone. Aujourd'hui, que reste-t-il quand même du tableau qu'il dressait, et comment on peut le réévaluer, le réinterpréter, sans peut-être jeter tout le livre avec le livre. Certainement pas. D'ailleurs, effectivement, je le cite et je lui fais une place à part, hein, puisque il n'est pas cité dans la liste de la bibliographie comme les autres ouvrages. D'abord parce que sa nature est un ouvrage particulier. Hein. C'est un écrivain, c'est un homme de lettres qui s'est emparé de l'économie politique et de l'histoire et de l'économie politique historique. Comme au vu de ce qu'il comme engagement politique très nettement, tu l'as dit, je reviens pas là-dessus, il a beaucoup marqué ses lecteurs latino-américains et au-delà, parce qu'il a été traduit dans la prestigieuse collection Terres humaines, voilà, en français en particulier. Puis avant d'être traduit en français, il a été traduit en anglais, en allemand, en italien, enfin dans en russe, enfin bon. Et il a eu beaucoup, beaucoup d'influence. On lui a reproché d'être de manier certaines considérations économiques ou historiques un petit peu de manière cavalière. Mais après tout, il est évidemment, lui, il est écrivain d'abord. Hein, c'est quand même, je trouve, de ce point de vue-là, c'est pas un reproche à faire. C'est comme lorsque si on fait un reproche à un film, on est sur autre chose. On lui a reproché ensuite, pendant assez longtemps, d'écrire Les Jambes Noires, très partisan. Hein, voilà, il a été non pas mis sous boisseau, mais on l'a beaucoup moins évoqué pendant toutes ces décennies
domination libérale, il faut dire les choses comme elles sont, et plutôt, disons, moins anti-impérialiste que la période précédente. Aujourd'hui, il retrouve une certaine vigueur, hein, dont avec, évidemment, les situations sont plus tout à fait les mêmes, mais en même temps, la grande fresque qu'il donne, puisqu'il part depuis le début, hein, depuis l'arrivée de Colomb, reste dans l'ensemble juste. Et la manière dont il le fait, il a, à mon sens, un peu trop tendance à considérer que les extrêmes inégalités sociales de l'Amérique latine, puisque c'est de ça qu'il s'agit essentiellement, et la violence politique de l'Amérique latine est due ou ne serait due qu'à qu'à des causes exogènes, aux colonisateurs d'abord, aux Anglais ensuite, aux États-Unis après. Il n'exonère pas les oligarchies locales, hein, mais dans l'insistance qu'il met sur le fait impérialiste, hein, la responsabilité essentielle des oligarchies locales et des classes possédantes, en fait tout simplement des classes possédantes latino-américaines, s'en trouve réduite. Or, à mon sens, elles ont au moins autant de responsabilités, sinon bien davantage, que les tentatives d'impérialisme, qui sont réelles, hein, des Anglais ou des États-Unis ensuite. Eh bien, merci. Et donc, un livre à lire et à offrir, peut-être, dans cette période de Noël. Merci Jean-Jacques, c'est moi qui te remercie, hein, d'avoir pris la peine de le lire et d'être venu avec beaucoup me poser d'intérêt ces questions. Ben, je te remercie.